IFC répond à pas mal de mes critères personnels, c'est-à-dire qu'il y a un suivi de l'élève qui est précis, rigoureux, on s'engage avec eux, on ne les laisse pas tout seuls face à la peur entre guillemets, de l'examen à la fin de l'année. Alors c'est une vraie opportunité pour nous, pour les élèves aussi, pour les employeurs aussi, parce que financièrement ils s'y retrouvent. Je pense que ça va nous ouvrir beaucoup de portes l'an prochain pour aller chercher encore plus d'entreprises qui vont être intéressées. On a vu déjà cette année une transformation du nombre de contrats assez importante. Alors oui, je recrute en alternance. L'avantage, alors en fait, il y a peut-être deux avantages. Le premier, c'est choisir son collaborateur. Alors vraiment, prendre le temps de recruter son collaborateur sur une alternance, mettons d'un an ou de deux ans, on a vraiment la possibilité de bien prendre conscience de qui est l'alternant et donc finalement de l'embaucher définitivement à l'issue. Après, la deuxième, c'est des fois une histoire de marché. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que sur le marché du travail aujourd'hui, il n'y a pas les profils recherchés. Et c'est l'alternance qui est une voie de secours pour pouvoir recruter. L'alternance, c'est un formidable moyen de pouvoir pratiquer le métier et donc d'être sûr que ça plaît ou pas. C'est un très bon moyen aussi pour avoir le côté concret, avoir une rémunération aussi, ce qui n'est pas négligeable non plus en alternance. Et pour celui qui au contraire n'a pas peur du volume, mais qui veut déjà se projeter dans la vie active, c'est vraiment la bonne solution. Je suis arrivée ici parce que l'année dernière j'ai fait un BTS comptabilité en formation raccourcie sur 9 mois et j'ai fait mes stages auprès de la DG Conseil. Suite à cela, moi je voulais continuer mes études. Mais ayant 30 ans, je voulais aussi être financée parce qu'on ne peut pas se permettre de faire que les études. Donc du coup, j'ai fait un contrat pro et Monsieur James m'a pris pour en alternance. J'ai choisi l'IFC pour me former parce que l'année dernière, quand j'étais dans notre centre de formation, on m'a recommandé ce lieu parce que le taux de réussite était plus performant qu'un autre. L'avantage de ces centres, comme moi, on peut se reconvertir et c'est très utile. C'est une entreprise familiale qui a été créée dans les années 90 par mon père et que j'ai rejoint donc rapidement en 94 dans le cadre d'un contrat en alternance chez IFC. Il y a deux ans, donc, j'ai recruté un étudiant qui est ma propre fille, qui a suivi donc le même parcours que moi, qui a préparé donc un BTS assistant PME-PMI. Le choix s'est porté sur IFC tout naturellement puisque j'ai connu ce parcours. J'ai trouvé intéressant qu'elle puisse bénéficier de l'IFC et de cette structure qui pour moi a été très très intéressante. 30 ans, c'est peut-être l'âge de la maturité, je dirais. C'est vrai que maintenant IFC commence à avoir une réputation solide, une expérience intéressante aussi. Donc voilà, mais en même temps, ça reste une structure moderne, dans l'air du temps, par rapport à des structures un peu plus anciennes et plus poussiéreuses. Bon, IFC reste dans le coup et c'est cette image que je trouve intéressante et que IFC arrive à véhiculer. 30 ans, alors ça évoque mon mariage, mais ça évoque surtout une belle histoire. Une belle histoire, donc 30 ans, ça veut dire qu'il y a de la valeur, ça veut dire que ça dure et que ça dure pas pour rien. 30 ans, c'est une belle preuve de solidité pour le groupe, de confiance des élèves et des professionnels. C'est aussi une belle preuve de maturité maintenant, puisqu'on le voit sur les parcours proposés qui sont très cohérents et qui prennent les élèves de la sortie du bac et qui les amènent au master, voire multiplier les expériences aussi au niveau entreprise.